Pardon ? S'il faut des piles pour la voiture télécommandée ? Non, bah non, non, non. Vous soufflez un petit peu de poussière de fée, puis elle va s'animer comme par magie. Bah ouais, c'est l'esprit de Noël. Chers clients, chères clientes, offre spéciale au rayon pâte à modeler. Un pot acheté, un pot offert. Oui, même si on sait très bien comment ça va finir. Ah bah, ils vont mélanger toutes les couleurs, ça va faire des gros pâtés marrons qui vont sécher parce qu'ils auront encore oublié de refermer les pots. Personnellement, j'ai la même chose dans les tiers de mon chat. Juste, excusez-moi, le cadeau... Non, l'autre, la côté... Voilà, ouais, ça. C'est de la merde. Une idée de cadeau pour un enfant de 4 ans Je sais pas, moi je connais pas votre gosse, vous voulez pas que j'élève non plus? Bah, j'en sais. Hein? On s'en fout? On en a rien à foutre. Reine des glaces? Non, j'ai pas. Ah si, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais c'est pas glace. Ah bah c'est autre chose, faut être plus précise, madame. Non, je peux pas vous aider, parce qu'après on va m'accuser de vous orienter vers un produit en particulier. Ça s'appelle l'éthique, ça, madame. Joyeux Noël. Très bien. Et bah voilà. Et bah très bien, bah j'irai me faire foutre. C'est Père Noël. Tu lui parlais? Je déconne, c'est les impôts. C'est vrai que c'est très réducteur pour l'image de la femme, ça. Enfin bon, si vous voulez faire de votre gamine une enfant pleine d'injonctions et de stéréotypes qui grandira avec tout un tas de complexes parce que son ventre fait pas la circonférence de son poignet, c'est vous qui voyez, mais autant lui acheter directement un anneau gastrique. Hein, le petit smartphone. Pour faire comme les grands, ouais. C'est bien, il saura pas parler, qu'il sera déjà insupportable. Chers clients, chers clients, vous êtes tous des cacas. Il va me le rendre ou pas, ce... Les peluches ours blancs, c'est avec les licornes et les autres animaux imaginaires. Ça existe encore, les ours blancs? Question de temps, hein. Dépêchez-vous, là. Allez, vite, trop tard, un de moins. Ah bah ça fond, hein. Les gens se rendent pas compte. Ça aussi, hein, ça va bientôt disparaître. Hein. Bon, en même temps, ça a jamais existé. Je suis con ou quoi, moi? Pour emballer les cadeaux? Bah c'est chez vous, avec du scotch et des ciseaux. Vous avez pas fait le cadeau, vous pouvez faire le paquet quand même. J'emballe pas les cadeaux, hein. Mesdames, bon ça, c'est rien. J'emballe pas les cadeaux. Il y a du scotch en promo là. Bah allez, trois rouleaux, le prix, trois rouleaux. Ils ont pas qu'à faire le moins de cadeaux, plus. Comment? Oui, vous l'avez. Reine des... Oui, bah voilà, la neige. Très bien, très bien. C'est dommage, on est en rupture de stock. Bonne journée à vous. Les parents du petit Clétor sont attendus à l'accueil. Franchement, vu comment ils t'ont gâté avec ton prénom, tu devrais t'enfuir directement. T'en fous, tu fais une fugue. De quoi? Le Père Noël? Tu sais, le Père Noël, c'est juste un moyen de pression que tes parents utilisent pour que tu fasses tes devoirs et que tu finisses ton assiette. Hein. Mélangé à leur mauvaise conscience parce qu'ils culpabilisent de pas assez s'occuper de toi et qu'ils pensent qu'avec un jouet de 300 balles, ils vont pouvoir acheter ton amour ainsi que leur tranquillité. Alors qu'il suffirait juste qu'ils jouent un peu avec toi. Joyeux Noël.